La vidéo que j'ai faite avant-hier concernant Saliba Koulibaly, ils m'ont donné raison. Mais ils m'ont dit seulement, ouais, mais d'où est-il? Non, mais où est-il? Non, mais attaque à l'ignon, maninka, maninka, benna, défaut. On a ni dumbuya na berasi se moi je m'en bats les couilles mais ça qui joue dans engal na figiagal capere ko capere parce que na ne be footi war go lenyol full be ben kalak sa goto ma be yaltali woli jono ba kiuti ko tour ma be hakunde ma be joni benu de non moi je n'étais pas d'accord avec dumbuya j'étais comme ça moi je m'en bats les couilles de ça que vous soyez d'accord avec dumbuya pas d'accord avec dumbuya moi je m'en fous de ça. Je dis encore, je répète, Saliba Koulibaly est un ingrat, est un malhonnête, est un inconscient, est un traître de la République de Guinée. Parce que eux-mêmes, ils ont trahi Alpha Condé. Il n'y a pas ce qu'Alpha Condé n'a pas fait pour les gens-là. En tant qu'ethnie malinquée, l'argent, bonheur, tout et tout, voiture, tout et tout, ils se sont mis à la disposition d'un petit délinquant venant de Paris, un légionnaire de l'armée française. Ils se sont mis à la disposition de Mamadi Doumbouya pour dire qu'il faut barrer encore le pouvoir à l'ethnie peul, le pouvoir au président Sildalé. Je vous ai dit, ça là, ça va vous traumatiser. Sildalé va vous traumatiser psychologiquement. Vous n'avez rien compris. L'homme là, c'est l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. Sa maman avait cherché la bénédiction pour son papa. C'est ça là qui sauve le président Sildalé. Ko aden hep marudo barki. Nene mabbe dabbanno ben mabbe duwaw ko dum woni protège gol présidentiel dal ala ko be wadali fi war gol o lenyol pullo do mais ko Allah woni lanto be wala na Saliba Koulibaly on fo yabi on yayi on libi galle présidentiel dal on fo Allah wirta on goto goto ko e présidentiel dal henda de lamugo mi ala no ko wono wolde kon fo no arde mi ko dum simi wadi video minna yo windu maro. Winde maron bonata na nyiri defandi ko nyolata jango ma fadi jango buge kundo ko bindol 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 nyolata ko windu da woné ba e dubi chap temedere chapande je bindo ngola reno wodi j'ai prévenu Saliba Koulibaly. Maintenant ce qui me fait mal même Saliba Koulibaly dit qu'il se remet à Dieu qu'il laisse tout dans la main de Dieu. Saliba Koulibaly, donc tu connaissais Dieu? Saliba, ce n'est même pas Saliba Koulibaly, c'est Sakaraba, Sakaraba Koulibaly. Donc, monsieur Sakaraba Koulibaly, général Sakaraba Koulibaly, donc, toi, tu connaissais que Dieu existait. Et le jour-là, vous avez débarqué, c'est Sildalé, parce qu'il est l'homme qu'il faut à la tête de la République de Guinée. Comme il est peur, vous avez débarqué chez lui avec cette picoque, non. Aujourd'hui, on t'a condamné, Mamadi Doumbouya t'a utilisé. Il est en tant que malinqué. Vous nous parlez aujourd'hui de Dieu. Ah, Saliba Koulibaly, tu n'as pas honte. Vous n'avez pas honte de nous parler de Dieu. Lisez les discours, ce qu'il a tenu là, qu'il laisse tout dans la main de Dieu. Donc, vous connaissez Dieu quand vous êtes en difficulté. Je vous ai dit d'avoir peur de Dieu. Votre arrogance là, vous pensez que le pouvoir, c'est l'éternité. Le pouvoir, c'est la religion. Le pouvoir, c'est destiné seulement à l'ethnie malinké. Voilà un malinké qui est venu aujourd'hui, qu'il veut vous égorger un à un. C'est ça, j'ai dit, Mamadi Doumbouya, bravo. Il n'a qu'à vous éliminer tous. Vous, les dirigeants et les tsaris, les militaires malinkés, là, les colonels ou généraux, là, Mamadi Doumbouya n'a qu'à vous égorger tous un à un. Parce que vous êtes des malhonnêtes. Vous avez joué la malhonnêteté avec Alpha Condé. Si Mamadi Doumbouya vient aujourd'hui, pour vous liquider là. Nous, moi, je serais content. Parce que l'armée républicaine ne parle pas d'une ethnie. La constitution guinéenne, elle est claire. Les lois, les codes d'ontologie de l'armée républicaine là est claire. Nul n'a le droit d'exister. La déclaration d'un chef militaire là. Il y a les codes d'ontologie de l'armée, non? C'est écrit noir sur blanc. Un chef militaire ne peut pas vous donner des ordres d'aller faire du bordel. C'est écrit dans les codes d'ontologie de l'armée. Vous savez très bien. Mais comme vous avez cru au début, c'est manicatiser le pouvoir, il faut éliminer ces Sildalé. J'ai dit, Saliba Koulibaly ne me fait pas pitié. Humainement, il me fait pitié. Mais physiquement, psychologiquement et moralement, Saliba Koulibaly ne me fait pas pitié. Mais humainement, comme je suis un être humain, il me fait pitié. C'est pour cela que j'ai dit à toute la famille de Saliba Koulibaly, ils n'ont qu'à chercher la vidéo,
Le jour que Saliba Coulibaly s'est présenté dans la résidence de Sélo Dalin, l'arrogance pour aller éliminer Sélo Dalin pour Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, où on est? Aujourd'hui, Dieu, c'est ça, c'est le karma de Dieu. C'est la réponse de Dieu. Saliba Coulibaly qui nous... Saliba Coulibaly qui nous parle... Excusez-moi. Allô? Allô? Mini la wa de do live direct sim gani yow tay na en joni no dit te donc Saliba Coulibaly qui pensait qu'il était demi dieu, l'arrogance, les femmes veuves sont parties te voir au camp, tu les as insultées, tu as menacé les leaders, les partis politiques, tu vas les enfermer, tu vas les retirer leur passeport. Voilà, aujourd'hui tu t'es mis à la service d'une ethnie. Soit disant que vous voulez manicatiser le pouvoir, c'est Mamadi Doumbouya qui est venu vous humilier encore. Mamadi Doumbouya, Albert Kanté, Albert Fa, Albert Minayal Fa, quel est Mamadi Doumbouya? Parce que Kolombali l'a dit, Fissirouali, Kolombali l'a dit, Almadounia Kolom, Alpha Condé, Koti, Alpha Condé Maman Kali, Ali Alouli. Kalbla Mamadi Doumbouya, Kalpha Condé la Malia, Kalagine Befanan la Malia, Kalagine Betrahi, c'est l'eau d'Alain, la population guinéenne, les Sidia, etc., etc. Là. Donc, Saliba Coulibaly, je te souhaite une bonne chance en prison là-bas. Ce que vous avez voulu, que c'est l'eau d'Alain sera humilié comme ça, là, le foutre en prison, vous allez vous moquer de lui avec Ousmane Gawal Baouri là. Aujourd'hui, Saliba Coulibaly, Dieu t'a rendu la monnaie. Dieu t'a rendu, c'est-à-dire Dieu t'a répondu. Quand je vous dis de ne pas regarder affaire de l'ethnie là, quand vous êtes l'armée, le républicain là, mettez-vous à la place de la population parce que vous avez prêté serment d'être fidèle à la loi, à la constitution nationale de votre pays. Maintenant, aujourd'hui, qui est en train de vous humilier? Mamadi Doumbouya, vous avez donné l'occasion, il a humilié Alpha Condé. Voilà, aujourd'hui, vous avez voulu assassiner ce Sélo Dalin chez lui, dans sa résidence. Non? Ce que tu avais voulu faire, Saliba Coulibaly, avec Bala Samoura, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est en train de vous rendre la monnaie. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, il a été clair, il n'a pas d'état d'armes. S'il est nécessaire, il va continuer à faire le sale boulot. Il vous a dit, ou bien français, là, vous ne comprenez pas. Mamadi Doumbouya, il a été clair. S'il est nécessaire, il va continuer à faire le sale boulot. Il n'a pas d'état d'armes. Donc, lui, c'est le pouvoir qui l'intéresse avec l'argent, avec la cocaïne. C'est tout ce qui intéresse Mamadi Doumbouya. Mais vous n'avez pas compris, c'est l'Oudalin, Foula le Madoua quand Mansayata, Foula ta Sila Mansaya Kono, Mansaya Brabo Chambre là, Abrado Salona, Ankanato Mansaya wa Bakono, ou Kawa Balkona, Adidou Albert Daronisi, Mamadi Doumbouya d'Albert Kanate, Kelin Kelin, Al Mamadi Doumbouya là, Nale Kafri Nina la Guinée, Dankadin Katami Mamadi Doumbouya là, Ayontie, Ale Manikan, Tremen Foula le, depuis Alpha Condé la Tang, Kualiato, Allez frafoulal, quelle est la massacre là? Allez à l'ancli là, Bibi, Dieu n'est pas ronné. Bibi, Mamadi Doumbouya, aïe, assina, aïe, beau quelqu'un, allez, maninkal, les gars. Donc, comme Abraham, maninkal, t'as la cofus fait au corps. Mamadi Doumbouya, aïe, mon équelle là. Aïe, maninkal, belle, tatine là. Adalbe, minakalbe, kanate. Bala Samoura, baboué, Idiamil, baboué, Amara. Mais Aldaï, Alnial, Niemen, voilà. Vous allez voir avec vos yeux. J'ai dit à Bala Samoura de se préparer. Après Saliba Coulibaly, ça sera Bala Samoura. Après Idi Amin, après Amara. Vous allez voir que Dieu nous donne une longue vie. Mamadi Doumbouya est un inconscient, est un ingrat. Comme il sait que les malinqués ne l'aiment plus là, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui aussi, il a pris l'esprit de vengeance contre l'ethnie malinquée. Vous avez vu la déclaration de cette dame là, c'est Zena Bokwala. Elle a été claire que même si Mamadi Doumbouya, c'est sa maman qui est devant lui, pour l'empêcher de ne pas être au pouvoir là, qu'il est prêt même à égorger même sa propre maman. La femme là, elle a dit ça là, tous les inconscients là sont en train de dire non, ce qu'elle a dit là, c'est très grave. C'est pas très grave. Quand la femme là tient des propos comme ça, c'est parce qu'elle a assisté des réunions où ils ont tenu des propos comme ça là. Il faut assassiner Sélou, il faut assassiner Sidia, il faut assassiner tous les leaders politiciens qui vont lui barrer la route. Pour ne pas se cramponner au pouvoir. La dame là, Zénab là, de Hak là, elle a été claire, mais vous êtes en train de l'attaquer aujourd'hui là. Elle a dit la vérité. Elle vous a déclaré la vérité.
Et cette dame a dit la vérité, mais vous ne voulez pas comprendre. Donc, c'est ce que je voulais dire à M. Sadiba Koulibaly. Bonne fête. Bonne fête, Sadiba Koulibaly. Maintenant, tu vas voir Selodalen devant toi en prison. C'est le film hindou, non? Tu es dans tes cellules là-bas, tu vas regarder les murs là. Maintenant, tu vas voir Selodalen et sa concession. Le jour que tu étais parti là-bas pour déloger Selodalen, avec 7 grenades, 3 pistolets ou 2 pistolets à main, tu pensais que tu étais arrogant fort. Fort! Les femmes veuves sont parties te voir au camp, tu les as insultées. Tu as appelé les leaders politiciens là, tu dis que tu vas les retirer leur passeport, tu vas les mettre en prison. Sadiba Koulibaly, quand on vous dit l'arrogance est l'ennemi numéro 1 d'un être humain. Voilà aujourd'hui. Mamadi Doumbouya n'a pas d'amis. Mamadi Doumbouya, tout ce qui l'intéresse là, c'est le pouvoir. Qu'il veut se cramponner au pouvoir pour rester au pouvoir. La dame là est sortie de hack là. Elle a dit la vérité. Les Guinéens, vous ne connaissez pas la politique. Vous ne comprenez rien. Vous vous attaquez à cette dame. Non, elle ne doit pas dire ça là. Elle ne doit pas dire quoi? Elle ne doit pas dire quoi? Elle a déclaré la vérité. Si elle vient tenir des propos comme ça, elle-même, elle est malinquée. C'est parce qu'elle a assisté à une réunion comme ça. C'est parce qu'elle a assisté à une réunion comme ça où ils ont décidé d'éliminer tous les leaders là. Précisément d'abord, Selodalen, il faut l'éliminer. Parce que quand ils ont créé le tribunal de règlement de compte là, CRIEF là, j'avais dit, tout le tribunal a été seulement inventé pour mettre la main sur Selodalen. Vous avez vu? Quand Selodalen dit qu'il veut rentrer en Guinée, on soulève encore le problème d'Air Guinée. Donc, portez-vous bien. Je ne vais plus faire de live jusqu'à demain. Donc, bonne fête. Wosalema Fo, Wosalema Nyanya. Tous mes fans, partout dans le monde entier, je vous salue. L'Anhiron, Kalaka Wontiplen Dardna Le Fo, Hakeya de Take Lakara. Sadiba Koulibaly, Komidian, Selodalen, Kodun, Allah, Sophie Nimo, Bepi Nimo, Fernando. Bepi Nimo, Kodun Mini, Allah, Mamadi Doumbouya, Warbe Fo. Allah Mamadi Doumbouya yo tak be fou dande. Parce que be ingrat, ko be malone. Arrive soupe de l'amungu ko fi maninka maninka. Mamadi Doumbouya no virti alpha konde. Yoni no peignande be. Mamadi Doumbouya, il faut les égorger tous. Ils sont tous des malhonnêtes. Sinon ils vont te trahir un jour. C'est eux-mêmes les malinqués là. Parce qu'ils ne devraient pas s'associer à toi, à un délinquant comme Mamadi Doumbouya. Pour venir déloger Alpha Condé au pouvoir. Mais quand on va dire ça là, ils vont dire non. Lui comme ça là. Aujourd'hui j'ai reçu 17 vocales de Malinké, 17. J'ai écouté ça là. D'autres m'ont dit même de ne même pas publier leurs vocales. Il y a ce qu'on appelle dans affaires de communication là, secret professionnel. J'ai écouté, je ne vais pas publier. Mais j'ai entendu ce qu'ils m'ont dit là. Ils m'ont donné raison aujourd'hui. Ils m'ont donné raison. Seulement ils m'ont condamné quand tu parles de tes lives, tu parles d'affaires d'ethno là. Mais c'est la vérité. Tous les enfants des peuples qui ont été assassinés dans l'Axe là, est-ce que quand il y a les manifestations là, ils sont partis à Dixingar là-bas, assassiner les Malinkés de la casse. Ils sont rentrés à Sigmadiman, tuer les Malinkés. Je dois dire ça. C'est la vérité. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Aujourd'hui, Sadiba Koulibaly qui était un malhonnête contre Alpha Condé là. Où sont les résultats aujourd'hui? Ils regrettent tous aujourd'hui. Mais c'est trop tard. L'eau qui est versée par terre, on ne peut plus ramasser l'eau là pour remettre encore dans la marmite. C'est trop tard. Mamadi Doumbouya, il faut les tuer tous. Tous les généraux là, l'armée républicaine là, c'est-à-dire les hauts cadres de l'armée malinké là. Mamadi Doumbouya, il faut les égorger tous. C'est des malhonnêtes. Toi-même, tu es le président de la malhonnête, Mamadi Doumbouya. Mais comme eux n'ont pas compris, ils devraient rester unis avec la population guinéenne, mais ils ont mis affaire des ethnies là dans leur crantologie là aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, il faut régler leur cas. Ils ne font pas pitié aux Guinéens parce que c'est des malhonnêtes qui ont trahi Alpha Condé. C'est des ingrats qui ont trahi Alpha Condé. C'est des inconscients qui ont trahi Alpha Condé. Quand ils disaient que l'un des cadres les plus malhonnêtes de la République de Guinée, c'est le cadre malinké. C'est la vérité, non? Alpha Condé n'avait pas menti. Donc portez-vous bien. Bonne fête à tous les Guinéens, partout, à tous les Guinéens, à tous les fidèles musulmans du monde entier. Je vous souhaite une bonne fête de demain. Peut-être de Tabaski, je ne sais pas si c'est Tabaski ou c'est Birdi Birdi là. Donc, partagez le petit direct là dans tous les groupes. On se reprend demain. L'Anhiro Maître Interdole, Interdole, Endertelmi, l'Anhiro Karamoko Interdole, Kota Madhuri, l'Anhiro Kapere Ngambi, Mandela, l'Anhiro Ma, Mamad American New York, l'Anhiro Ma, Benguma Mariamba, Kamara Anka de la Hiro Minder New York.
Hamidou Baré, Ner France Ankadé, Ner Paris, Langhi Roma. Docteur Ismaël Ba, Langhi Roma. Kaperen Ngambi, Ankadi, Langhi Roma. Alpha Beni Sissé, Langhi Roma, Ner Maroc. Onfo, Langhi Roma. Bon, bonne fête à vous. Salma Fo, Salma Yaya. Onfo, Salma Fo, Kadi, au président Selou Dalin. Le combat n'est pas fini. Le président Selou Dalin doit être déterminé cette fois-ci. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tout est possible dans la vie. Voilà. Donc, du courage au président Selou Dalin. Bonne fête au président Selou Dalin demain, à toute sa famille aussi, à Diallo, Dalin Diallo, Paikoun Sahare, tout le monde. Voilà, je salue tout le monde. Tidjan La Puissance aux États-Unis, bonne fête à toi. Mamadou Mira Diallo aux États-Unis, bonne fête à toi aussi. Langhi Ronfo. Et soirée Kadi aux États-Unis, je te souhaite une bonne fête, soirée, fête de Tabaski, ko Django, ka, soirée. Adaigo et Théo Balengi, Mado, mi peignante. Mi peignante de, don ankering bimara. Donc, c'est ça. Donc, partagez le petit, direz là. Dieu ne dort pas. C'est les imbéciles qui sont pressés plus que la nature. Mais Dieu réserve tout le temps la réponse au bon moment. Sadiba Koulibaly a vu ce qu'il a mérité, ce qu'il a cherché. Donc, c'est ça. Partagez le petit, direz là dans tout le groupe. On se reprend demain. Je salue tout le monde. Bye bye, good night. Je love tout le monde. Je salue aussi mon frère qui est en France là. Comment il s'appelle là? Mon frère le Diakan qui est là. Comment il s'appelle? Sissé. Je salue Sissé aussi en France à Boulois. Sissé, Ibigop. Soro, big up à toi. Moussa aussi. Je salue Moussa à Boulois aussi. Moussa, big up à toi à Boulois. Je salue tout le monde. Donc, partagez le petit direct là dans tous les groupes. Bonne fête à Soro aussi, à Bloua et Moussa, le Diakanké, c'est-à-dire le Konyaka International. Moussa, big up Nima. Donc, si c'est aussi de Kindia, l'enfant béni de Kindia, si c'est ni Rebouma, Kindia qui est famille de Rebouma, si c'est Relira, ni Radif en Rebouma. Mon petit Ismaël, bye bye, Wontina, ciao.